Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils pour vous avoir des abdos, avoir un corps sexy et musclé, pour vous toute votre vie et pour vous et pour que vous soyez les plus beaux et les plus belles dans votre vie. Alors, une chose avant de commencer à vous dire les 3 conseils. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube qui est Brandon Torres Entraînement, bah abonnez-vous. Mettez un maximum de pouces bleus sous cette vidéo et partagez cette vidéo pour que ceux qui regardent pas mes vidéos mais qui ont envie de perdre du poids, bah grâce à votre partage de vidéo, ils vont voir cette vidéo et ça va les motiver à perdre du poids eux aussi. Alors premier conseil que j'aurai à vous donner, c'est manger sainement, manger équilibré. Pourquoi? Parce que si vous faites de la musculation mais que à côté de ça vous mangez tout ce qui est pas bon, genre des trucs gras, genre comme des trucs gras, des trucs sucrés, des trucs en fait voilà qui vont faire reprendre des kilos et qui vont faire ne pas avoir le corps que vous avez toujours rêvé d'avoir, ça sert un petit peu à rien de faire de la musculation si vous mangez comme ça. Après je dis pas se faire plaisir une fois de temps en temps, ça fait mal à personne, je suis d'accord, mais mangez un maximum bien s'il vous plaît les sportifs, pour que si voilà vous voulez avoir les abdos, regardez, je voudrais vraiment que les abdos là. Vous croyez vraiment que les abdos, je les ai eus en mangeant des kebabs? Bah non, je m'entraîne régulièrement, je mange assez bien. Et c'est grâce à ça que j'ai su avoir les résultats. En gros, si moi j'ai su les avoir, vous pouvez les avoir. Et dites-vous que une phrase qui est très importante, les abdos se font à la cuisine. Ça, vous devez retenir ça les sportifs. Deuxième et avant-dernier conseil, c'est négligez jamais l'entraînement. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein qui mangent bien. Oui, certes, c'est bien, vous mangez bien, continuez comme ça. Mais aussi, c'est très important, entraînez-vous bien. Parce que si vous mangez bien, mais qu'à côté de ça, vous faites mal les exercices abdos, oui, certes, vous avez perdu du poids parce que vous mangez bien, mais vous n'allez pas avoir des abdos. Et ça serait un petit peu dommage parce que nous, ce qu'on veut, c'est des abdos. Et bien visible, avoir un ventre super sec, c'est ce qu'on veut aussi. En gros, entraînez-vous bien, mangez bien. Et vous allez voir que les abdos, vous allez les avoir, je vous le promets, les sportifs. Et troisième et dernier conseil, c'est ne vous arrêtez jamais de manger. Pourquoi? Parce que déjà d'une, vous allez avoir des problèmes de santé à vous arrêter de manger. Et moi, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux simplement pour vous, c'est que vous ayez un corps fonctionnel, athlétique. C'est tout ce que je veux pour vous. Voilà. Et aussi, à force de vous arrêter de manger, au bout d'un moment, vous allez tellement avoir faim que vous allez sauter sur la nourriture que vous allez voir. Et c'est ce qui va faire que, voilà, vous allez reprendre des kilos, vous allez reprendre du poids. Et qui dit reprendre du poids, dit arrêter la musculation, qui dit arrêter la musculation, dit ne pas avoir le corps que vous avez toujours rêvé d'avoir, et qui dit ne pas avoir le corps que vous avez toujours rêvé d'avoir, dit que vous allez être déçu, que voilà, vous allez mal vous sentir dans votre corps, vous allez être toujours tout seul, vous allez essayer de vous mettre voilà, dans votre bulle, tout des trucs comme ça. Vous allez jamais aller essayer d'aller vers les gens parce que vous allez avoir honte voilà, de votre corps, vous allez avoir honte de vous-même. En gros, vous n'allez pas vous faire d'amis, vous allez toujours être tout seul et ça va plus être une vie au bout d'un moment. C'est vrai, ça va plus être une vie. En gros, faites attention s'il vous plaît à ce que vous mangez, c'est vraiment très important. Ne vous arrêtez jamais de manger parce que là, vous pouvez avoir des problèmes de santé à faire ça. Parce que c'est pas bon du tout, s'arrêter de manger. Et de deux, comme je vous ai dit, vous allez reprendre du poids. Voilà. Voilà. Alors si voilà les 3 conseils que je vous ai donnés vous plaisent, bah dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi aussi dans les commentaires quel est le sport que vous pratiquez, si c'est de la musculation, si c'est de la boxe, si c'est du taekwondo, si c'est du judo, si c'est du karaté, si c'est de la lutte, enfin bref, n'importe quel sport que vous pratiquez, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi aussi dans les commentaires. Voilà ce que vous aimeriez bien que je fasse comme vidéo. Dites-le moi aussi. Si je peux le faire, je vais le faire. Si je peux pas, ben, je vous le dirai. Je vous répondrai clairement. Non, je ne peux pas le faire, désolé. Tout simplement, mais qui ne tente rien à rien. Comme on dit toujours, c'est vrai. Voilà. Et aussi, allez me prendre en ami sur Facebook. C'est vraiment très important. Parce que si vous me prenez en ami sur Facebook, c'est là-bas que je vais répondre à vos questions les plus intimes, voilà, soit les plus intimes, voilà, des questions que vous n'avez pas envie de répondre, des questions que voilà, vous n'avez pas envie de me poser dans les commentaires, ben, c'est là, vous allez me le poser sur Facebook, c'est là que je vais répondre, c'est là que, voilà, je vais vous parler, comme je vous ai dit, c'est là que je vais vous répondre, c'est là que je vais vous donner des conseils, c'est là que je vais vous faire évoluer. Oh, allez me prendre un ami sur Facebook, de toute façon, le lien de mon Facebook sera en description, alors allez checker ça, voilà. Comme je vous ai dit, les sportifs, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait.
et partagez cette vidéo et mettez un maximum de pouces bleus sous cette vidéo. Alors moi les sportifs, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah oui, une autre chose avant de vous quitter, dans 3 jours, je pars en vacances pendant 15 jours. Je sais pas si là-bas je pourrais filmer ou pas. Alors si je peux pas filmer, je filmerai à mon retour. Et si je peux filmer, j'essaierai de faire une ou deux vidéos. Voilà. Et en ce moment, je suis vraiment en train d'aussi réfléchir quel genre de vidéo, après mon retour de vacances, quel genre de vidéo je pourrais faire. Et si voilà, vous avez des idées de vidéos que je peux faire, voilà, bah, comme je vous ai dit, dites-le moi dans les commentaires. Les commentaires sont là pour vous exprimer, alors allez-y, exprimez-vous, c'est là pour ça. Alors les sportifs, je vous dis à la prochaine, ce fort à vous, ce fort à moi, et ce fort à ceux qui vont s'entraîner et qui vont regarder ces vidéos. Boum les sportifs, n'oubliez pas que vous êtes les plus forts et que vous faites partie de mon équipe parce que vous êtes un sportif, parce que vous êtes abonné. Spoum. Salut les sportifs.